Bonjour à tous. Alors dans vos programmes, vous avez vu que je représente l'UNIFA. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est aujourd'hui l'UNIFA, l'UNIFA c'est devenu depuis quelques jours une marque sectorielle qui s'appelle l'ameublement français. On a décidé de communiquer plus positivement sur notre métier, qui est de fabriquer du meuble. Alors vous me direz, je crois que je suis dans une assemblée essentiellement de gens qui sont sensibilisés à l'architecture de structures, et nous on s'occupe plutôt effectivement d'aménager, et on est j'aime bien le terme statistique, on nous appelait les meublards ou les meubles meublants. Ça c'est un truc. La comptabilité française aimait bien ça, le meuble meublant, pas la comptabilité, la statistique française. Et aujourd'hui, le meuble meublant a laissé la place à des gens qui fabriquent toujours du mobilier, mais pas que. Ce sont des gens qui intègrent, qui font du sur-mesure et qui s'adaptent aux espaces que les architectes veuillent bien leur confier. Et donc c'est un métier qui a beaucoup évolué aujourd'hui, avec des structures de plus en plus, pas forcément des grosses structures, mais des gens qui, à côté de la production d'ameublement, proposent beaucoup de services d'intégration, de conception, de pose. On a même depuis 2 ans créé deux éco-organismes dans la profession qui gèrent la fin de vie des produits, parce que ça devient un problème sur lequel on est très sensibilisé. Donc on est une profession qui bouge assez vite, avec des nouveaux modèles économiques qu'on imagine à un horizon très très court. Les magasins de meubles que vous connaissez tous sont en train de disparaître et de mourir un peu les uns après les autres, pour laisser la place aujourd'hui à des modèles où c'est l'architecture, mais cette fois-ci d'intérieur, qui prend un peu la main. Et on a aujourd'hui des lieux où on imagine que demain les gens voudront avant tout gérer des projets, des projets d'aménagement. Alors un des modèles qui fonctionne bien depuis quelques années, c'est la cuisine. On a beaucoup de gens qui vendent des cuisines, et souvent le projet cuisine permet après de partir sur des projets d'aménagement, de salle de bain, de dressing, etc. Donc on sent qu'aujourd'hui nos métiers vont se rapprocher de plus en plus du métier presque d'architecte, on est intérieur mais quand même, et qui serait bien, en tout cas nous on pense qu'il serait bien de mieux savoir dialoguer avec nos architectes, avec nos concepteurs de bâtiments. Et on pense même qu'on pourrait les aider sur plein de sujets, comme les usages. Et je crois qu'on est sur ce colloque, en tout cas, vous êtes dans une thématique avant tout d'usage. Le problème de la construction, évidemment, se pose, mais c'est avant tout la problématique de l'usager qu'il faut régler. Et nous, on est assez bon là-dedans. On a un organisme qui s'appelle le VIAM, que vous connaissez bien, qui travaille sur ces sujets en prospective depuis de longues années. Et aujourd'hui, nos entreprises d'ameublement, aujourd'hui, ont compris qu'il fallait absolument changer de modèle et se rapprocher effectivement des gens qui construisent. Parce que en leur expliquant qu'il faut penser peut-être usager, penser avant de construire, d'aménager, de penser l'aménagement, et puis surtout penser que les aménagements aujourd'hui ne sont pas définitifs, ils doivent être réversibles. C'est le sujet, c'est vos sujets aujourd'hui, la réversibilité, en tout cas pour cette journée-là. Mais c'est un sujet qui concerne tout le monde. Aujourd'hui, on n'achète plus forcément une maison, un appartement, et on ne va pas forcément y vivre tout le temps. Donc il faut que cette maison, cet appartement puisse évoluer au fil de l'évolution de familles recomposées, de gens qui vieillissent, des gens qui malheureusement auront des handicaps à gérer plus tard, et peut-être demain que la résidence devienne du collectif, ou que le bureau devienne de la résidence, ou que la maison devienne un hôtel ou une chambre d'hôte. On sent qu'aujourd'hui il faut penser effectivement usage avant, pour vous qui êtes, je pense, dans la salle essentiellement des architectes ou des futurs architectes, il faut vraiment penser
pour qui on va construire. Et donc, c'est mieux, à mon avis, d'aller voir les gens comme nous, qui fabriquons le mobilier et qui réfléchissons à ces sujets-là depuis de longues années. La tradition de l'art décoratif français, c'est pas quelque chose que l'on a décrété, c'est une vieille histoire. Donc voilà, moi on m'a demandé d'introduire cet après-midi, donc je voulais vous parler de ça, je voulais vous parler que ces projets aujourd'hui ont déjà des choses très concrètes, puisqu'on a, notamment avec tous les gens de la filière bois, travaillé sur un sujet qui est la construction d'immeubles en bois à grande hauteur. Donc là, je sais que ça intéresse certainement beaucoup d'architectes sur ces thématiques-là. Donc on travaille avec eux sur toute une problématique autour de la réglementation aujourd'hui qui n'est pas très favorable au bois en France. Mais plus que ça, on réfléchit effectivement à penser aménagement avant de penser construction. Donc les procédés constructifs doivent être en lien avec des procédés d'aménagement. Donc ça, c'est un travail qu'on a démarré depuis un an, deux ans déjà, qui prend du temps. Mais moi, je suis absolument certain que dans 4 ou 5 ans, on ne vendra plus de meubles dans des magasins de meubles, mais on vendra certainement avant tout du meuble dans des projets constructifs. Voilà. Donc ça, c'était ça que je voulais vous dire. Je ne sais pas si la thématique, ce n'était pas forcément le bois, mais on parle beaucoup de bois parce qu'effectivement, le bois a un très gros avantage, c'est une filière sèche. On peut préfabriquer beaucoup de choses et nous, qui fabriquons du meuble, on peut aussi s'entendre avec ceux qui fabriquent les structures, la charpente, le CLT, enfin toutes ces techniques constructives en bois. Mais il faut qu'on invente ces nouveaux modèles où on va être beaucoup plus en intégration et puis réfléchir beaucoup à la réversibilité. Je ne sais pas si vous le savez, mais depuis 2 semaines, IKEA, qui était à l'origine un fabricant de meubles, qui est devenu un grand distributeur, le plus grand distributeur de meubles au monde, a décidé de se lancer dans la vente de cloisons amovibles. Alors vous me direz, tiens, c'est... je pense qu'aujourd'hui, IKEA a compris que son métier n'était plus de vendre du meuble, mais de vendre des espaces et la réversibilité des espaces. Parce que c'est vrai que lorsqu'on vend une cloison, on doit généralement vendre un peu de meubles derrière. Voilà. C'était une boutade, mais simplement pour expliquer qu'effectivement ce lien aménagement-construction, en tout cas moi qui suis à la tête des fabricants de meubles en France, on va beaucoup, beaucoup travailler sur ce sujet-là. C'est un des modèles, en tout cas, que l'on pratique déjà, par exemple, dans l'aménagement de bureaux. C'est vraiment des choses sur lesquelles on avance très vite. Voilà, alors... Je pense que j'avais mes 10 minutes, elles ont été un peu dépassées. Je ne sais pas si Michel, si vous souhaitez me poser des questions, je suis complètement ouvert à pouvoir y répondre. Malheureusement, la table ronde auquel je vais assister, je devrais rejoindre une autre obligation. Mais si vous souhaitez me poser des questions, je suis complètement... j'ai encore 5 minutes, sans problème. Voilà. Peut-être, non ? C'est bon, Michel ? Ouais. Alors, je serai remplacé par Marie-Cécile Pinson, qui à la fois est à l'UNIFA, donc côté ameublement français, mais également à une partie de ses lunettes du côté du VIA, puisqu'elle voilà, elle fait le lien entre les deux organismes, et elle le fait plutôt très bien. Donc, on essaye d'avancer. Donc, elle me remplacera avantageusement à la table ronde. Voilà. Et je vous souhaite une bonne après-midi. Bonjour à tous. Claire Lapassa, designer. Le slide se lance pas, par contre. Il faut que je passe une manip pour... Ok.
Donc je vais vous parler de l'habitat, de comment il peut être pensé en série et des questions de préfabrication. Donc on va s'écarter pour cet après-midi de la question de l'habitat temporaire pour parler plutôt de techniques constructives et de logique sérielle. Alors pour remettre ça dans un contexte un petit peu historique, donc moi, je considère que la naissance de la préfabrication dans l'habitat, elle date du milieu du 19e siècle et qu'elle apparaît dans un contexte de guerre et de colonies. Là, par exemple, on a une maison coloniale pour l'Australie. Pour l'Afrique du Sud, pardon. Avec, en fait, une problématique qui est qu'il va falloir construire dans un lieu qui est en dehors de la métropole, avec de la main-d'œuvre souvent peu qualifiée, des matériaux de construction parfois manquants et des logiques de rapidité de construction sur site qui vont être importantes. Et donc, en fait, ces conceptions qui sont plus souvent le fait d'ingénieurs que d'architectes ou de designers, de toute façon, c'est une profession qui n'existe pas encore à l'époque. Donc ces constructions vont intégrer des logiques de compacité lors du transport, de légèreté, notamment parce qu'après tout ça c'est chargé par bateau et ça doit partir donc vers les pays qu'on va envahir, que ce soit militairement ou de façon un peu plus durable, de façon coloniale. Et ensuite on intègre des facilités et rapidité de montage, donc avec des éléments qui doivent être manuportables et manipulables par une à deux personnes, avec des logiques de cinématique. Donc là on est dans des choses un peu moins élaborées que ce qu'on a pu voir ce matin avec les maisons de Jean Prouvé, mais on retrouve quand même l'idée. Donc on a en fait des véritables systèmes dont la plupart sont même brevetés, avec un nombre d'éléments qui est limité, fixé, et donc des pièces qui sont numérotées et qui vont venir s'assembler pour donner une architecture. On pense même, ce que vous pouvez voir tout à du coup gauche, on pense même aux accessoires de réparation, parce que lorsqu'on est dans une logique notamment de guerre, on n'a pas forcément accès au boulon ou à la tige filetée qu'il nous faut à ce moment-là. Donc c'est un jeu auquel s'adonnent très volontiers les concepteurs. Bon, il y a un peu un côté geek, on va dire, concours l'épine, du plaisir, de l'exercice intellectuel, de faire ce système dont tous les éléments sont pensés en fonction du tout et qui viennent voilà, s'agencer et se combiner entre eux, avec donc encore une fois parfois des choses assez ingénieuses. Là, ce qu'on voit à droite, c'est des systèmes qui existent encore aujourd'hui, alors qu'on ne va pas forcément trouver dans l'habitat, mais qu'on va trouver beaucoup dans tout ce qui est architecture industrielle, hangars, qui doivent être déployables rapidement. Et donc avec un vrai enjeu sur tout ce qui est assemblage, voilà, et un travail assez fin qui peut se faire. Donc aujourd'hui, la préfabrication dans l'habitat, finalement, on a beau pas forcément la voir, elle est quand même présente. Un des exemples, tout simplement, c'est Maison Phénix. Alors, on peut estimer que c'est pas forcément, on va dire, en termes d'architecture, l'idéal, en termes de propos sur l'espace. Mais néanmoins, on se rend compte que c'est déjà des maisons de bonne qualité qui se fissurent pas, contrairement à un certain nombre de maisons maçonnées aujourd'hui. Et on voit aussi, avec les dernières collaborations qui ont été faites entre Jacques Ferrier et Maison Phénix, que alors qu'on cherchait à masquer absolument la préfabrication pour que Maison Phénix ait l'air absolument d'une maison maçonnée, là, on laisse voir la structure et on commence à assumer le fait qu'on est dans quelque chose qui a été préfabriqué et qui n'est pas forcément... avec du mortier entre les parpaings. Alors, parlons des innovations. En fait, plutôt que d'innovation, on va plutôt parler des liens entre l'évolution industrielle et l'évolution des techniques constructives. Et il y a une sorte de liens, d'aller-retour qui se fait. Par exemple, la balloon frame, qui est encore aujourd'hui la façon dont la plupart des maisons américaines sont construites, elle fait son essor en 1830 dans la région de Chicago, en même temps que
l'industrie du clou fait son essor. Et parce que brusquement, là, on a accès à un moyen d'assemblage qui, en grande série et à coût très réduit. Et là, on va pouvoir venir assembler très rapidement ces profilés qui sont tous débités de la même façon, qu'on va monter très très rapidement. Et aujourd'hui, la cloueuse pneumatique a remplacé le marteau, mais on reste sur des principes. Alors, la maison coloniale là, qu'on avait déjà vue, je la remontre ici, parce qu'on va avoir typiquement, là, dans ces maisons coloniales, un usage très important de tout ce qui est tôle ondulée pour faire des panneaux et des couvertures. Et donc ça va correspondre avec l'invention de la tôle corroyée qui va permettre d'avoir des matériaux relativement légers et en même temps ayant de la résistance mécanique. Alors cette maison, elle me semblait intéressante parce que quand on regarde là ce que je viens de faire apparaître en bleu, on voit qu'il y a une lame d'air entre le panneau extérieur qui est en tôle qui va chauffer et du coup qui va créer un mouvement d'ascension de l'air qui va venir ventiler la façade. Et on voit que on a quand même des concepteurs qui viennent intégrer les problématiques du site. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans n'importe quel produit industriel. On a quand même un rapport à l'environnement qui est important, un rapport au site qu'on doit prendre en compte et qu'on peut prendre en compte dès l'amont et dès la conception. On avait parlé un peu du jeu intellectuel que ces systèmes préfabriqués pouvaient occasionner. Il y a une aventure, alors là c'est plus juste un exercice, c'est vraiment une aventure économique, qui est celle de Walter Gropius, donc fondateur du Bauhaus, et de Konrad Wachsmann, qui est on va dire un industriel qui avait déjà fait pas mal de... qui avait déjà travaillé dans des entreprises qui faisaient des maisons préfabriquées à l'époque, et qui décide de développer un système qui est pas forcément... Qui reprend des choses qui ont déjà été faites, mais qui le pousse là un peu à leur paroxysme, où on a donc un nombre limité d'éléments. Donc là, ce qu'on voit, c'est des panneaux qui sont empilés, qui vont se combiner sur une trame pour former des architectures, et ces architectures vont pouvoir intégrer une certaine variabilité. Donc on voit, on a un peu les mêmes images que ce qu'on a vu tout au début, on chargeait ça sur une carriole tirée par des chevaux, là sur un semi-remorque, on va charger la maison. Les usines, aujourd'hui si on regarde des usines qui transforment des panneaux de bois pour l'habitat, elles ressemblent à peu près à ça. Hein. Donc il y a déjà un outil industriel qui est relativement simple, mais en même temps qui permet de fabriquer ces panneaux qui sont, alors là, ils sont manipulés quand même par 3 personnes, ça n'a pas l'air d'être très agréable. On parlait des problèmes de poids ce matin sur un des exemples. On se dit que le parti de les prix de la légèreté n'est pas forcément toujours là. Et donc, toujours ce principe de, pour ces éléments standards, pour pouvoir les combiner, on va venir les articuler sur une grille et sur une trame. Là, ça peut faire un peu japonais dans l'esthétique, mais en même temps, c'est pas pour rien, parce que c'est que l'architecture japonaise, elle, reprend ce principe de trame. Alors, c'est une trame et les composants dont se sont emparés des architectes proches de Gropius et qui ont donné lieu à diverses interprétations, qui peuvent être, du coup, pour l'époque, avec un propos moderniste qui est poussé, à la proposition de Richard Neutra, qui est pas mal, proposition de Gropius, et au final, c'est ça qu'ils ont proposé, donc on est quand même dans des codes plus classiques, et après l'échec industriel de l'entreprise. Alors il y a un historien de l'architecture, Siegfried Giedon, enfin qui est aussi un historien des techniques, qui disait que il y avait un problème d'acceptation culturelle de la préfabrication. C'est possible. Il y avait aussi à l'époque un gros problème de tolérance, notamment dans les assemblages bois-métal.
qui fait que Gropius et Waxman ont beaucoup, beaucoup de mal à faire leur première mise sur le marché et sont épuisés avec tous les investissements qui avaient déjà été faits. Et, parce que le bois, mine de rien, c'est un matériau qui travaille, c'est un matériau naturel au départ qui est transformé. Et la compatibilité, les tolérances du bois n'étaient pas... à l'époque, au niveau de celles qu'on pouvait attendre concernant les assemblages au méthane. Et puis, on peut aussi se poser la question de est-ce que finalement la préfabrication, c'est pour faire ça ? Est-ce que c'est pas plutôt l'occasion de chercher d'autres qualités architecturales et de pousser un propos sur l'espace ? Donc ça, c'est la maison des IMS, qui fait partie d'un programme américain pour pousser un petit peu, on va dire, les nouveaux concepts de l'architecture moderne dans le domaine de la maison individuelle. Et donc, avec, pareil, un travail sur la trame, un travail sur les assemblages, et un travail sur des éléments standards qui vont se répéter. Et moi, ce que je trouve admirable dans le travail de IMS, c'est vraiment le travail sur les proportions. Parce qu'on, assez vite... Lorsqu'on est dans des systèmes préfabriqués et tramés, on a un effet un petit peu de... on va dire, je suis dans une salle de réunion et je vois le faux plafond avec les dalles de faux plafond qui se répètent et des choses qui sont, moi, je trouve pas très harmonieuses. Alors que là, on voit qu'avec ce travail sur la modulation, ce travail de proportion, on arrive à on va dire, une esthétique et des formes qui sont très harmonieuses. Après, c'est personnel, hein. Donc j'en prouvais avec là moi quelque chose que je trouve très intéressant qu'on n'a pas forcément vu ce matin parce qu'on était dans d'autres principes constructifs, mais la façon dont j'en prouvais là a résolu le problème de l'angle. C'est un des gros problèmes de la préfabrication, ça va être tout ce qui se passe au niveau quand vous avez deux panneaux qui se rencontrent. Comment vous faites ? Et finalement, venir se raccorder, on va dire, en biseau, c'est pas si simple. Et là, il résout ce problème avec un élément qui est arrondi. Du coup, on va pouvoir venir accoster sur les plats. Et ça va être beaucoup plus facile. Bon, et puis, bien sûr, là, on parle de pousser le propos architectural, se poser la question du plaisir d'habiter et de l'esthétique. Moi, je pense que c'est quelque chose, là, qui a un pari qui a été réussi. Avec ce travail sur l'intérieur et l'extérieur. Donc, le thème du colloque, c'est quand même le bois dans l'habitat temporaire et l'habitat industrialisé. Donc, pourquoi le bois ? Alors, moi, je pense que ce qui se passe aujourd'hui dans le bois, enfin, depuis quelques décennies, c'est un peu ce qui s'est passé avec l'acier au 19e siècle. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir des matériaux qui sont produits de façon standard et en série et qui, en même temps, peuvent être transformés dans un souci d'économie de matière. Donc là, j'ai mis volontairement côte à côte un IPN en acier avec un IPN bois aujourd'hui où on a deux semelles qui vont travailler en compression et qui sont ou en traction et qui sont écartées par une âme et en fait on vient de mettre de la matière uniquement là où on en a besoin. Et aujourd'hui les IPN bois sont utilisés massivement en charpente et c'est des éléments qui sont extrêmement légers, qui ont des performances mécaniques incroyables et qui sont faciles à fabriquer et qui ont des stabilités dimensionnelles qui sont tout à fait à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'un matériau industriel aujourd'hui. D'un semi-produit industriel. Donc, voilà, avec notamment le fait qu'on a vu se développer des procédés de séchage, des procédés de collage des bois, qui font que ce matériau-là se prête désormais à l'usinage et il est calibré. Voilà, moi, j'aime bien cette image parce que. On parlait ce matin de gens prouvés qui avaient cette réflexion sur les tôles qui, à plat, prennent moins de place. Et bon, quand on voit la compacité de ces IPN, on se dit que c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et je ne vais pas aller beaucoup plus loin, parce que je pense qu'on a pas mal de choses à se dire avec tous les intervenants de cette table ronde.